Bonjour, et bien aujourd'hui la déambulation du vendredi est avancée puisqu'on est mercredi en fin d'après-midi. On est venu à l'entrée de la rue de Dinan, on a lu comme beaucoup d'entre vous le journal ce matin et on a vu qu'il y avait un nouveau projet qui était à l'entrée de la rue, sur toute la rue, qui consistait à enlever les places de parking devant les commerces. Alors juste derrière moi, vous voyez, il y a trois petites places, il y a des arbres. Et bien ces places-là vont être enlevées, il y a plein de places qui vont être enlevées pour élargir et puis pour planter un arbre. Alors, planter des arbres, c'est super important, on l'a demandé, hein, donc on va être cohérent dans ce qu'on demande. Sauf qu'en fait, ici, pour les gens qui ne connaissent pas le quartier, il y a le parc des Tanneurs, donc on a un parc. On a le plus grand parc de Rennes, les Prairies Saint-Martin qui sont juste là, il y a l'eau juste derrière. Il y a des arbres tout le long, puisqu'on est juste derrière chez Dinan. Juste ici, sur la résidence de la rue Dinan, on a des arbres partout. Donc en fait, le quartier est blindé d'arbres. Et en fait, planter l'arbre, et c'est là que c'est fallacieux, c'est malhonnête, planter l'arbre, ça va être juste un prétexte à supprimer 10 à 15 places de stationnement dont ont besoin les commerces qui sont juste là, qui sont des commerces de proximité. On est resté là très longtemps, on a discuté avec les gens qui se garaient, c'est des gens qui s'arrêtent en rentrant dans Rennes, c'est des gens qui s'arrêtent en partant de Rennes, ce sont aussi des personnes âgées qui viennent dans les commerces, il y a des très jolis commerces réputés, je pense notamment aux cordonniers et autres, où les gens s'arrêtent spécifiquement pour ce commerce-là. Donc, leur supprimer ça alors que d'autres réclament des arrêts minutes, c'est tout simplement ne rien comprendre au commerce. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu en colère cet après-midi. Donc, il y a d'autres aménagements possibles. Et si vous voulez planter un arbre, il y a une expérimentation pour un rond-point. Et bien, il n'y a qu'à planter un arbre au milieu du rond-point et on n'enlèvera pas de stationnement. Voilà ce qu'on voulait dire et ce que nous ont dit les gens qu'on avait rencontrés, y compris les résidents. À très